Comment choisir entre une prépa intégrée et une prépa classique? Quoi qu'il en soit, les deux sont totalement viables. Les deux ont des avantages et des inconvénients. Si vous choisissez une prépa classique, pendant 2 ans, vous allez préparer un concours. Ce qui veut dire que cela peut être un petit peu stressant. D'un autre côté, ça vous laisse 2 ans de plus pour être sûr de savoir ce que vous souhaitez faire. Si vous choisissez plutôt d'intégrer une prépa intégrée, vous allez déjà être dans l'école dès votre première année de prépa. C'est-à-dire que la prépa sera déjà intégrée à l'école d'ingénieur. Ainsi, vous allez suivre vos 2 ans de classe préparatoire et ensuite, vous allez intégrer cette école d'ingénieur. Vous n'avez pas le choix de choisir n'importe quelle école d'ingénieur. Vous devrez continuer votre cursus sur 5 ans. Cela implique donc moins de stress si vous êtes un petit peu stressé vis-à-vis des concours, mais en contrepartie, vous devez être plutôt sûr de votre choix à la fin de la terminale.